You're a freak. Sweet. Freak. You like to play. Hypnotic, erotic, sexy. Un sujet qui à la fois on a l'impression d'être un peu romantique parce qu'on a beaucoup parlé et à la fois qui est un sujet essentiel. Je vous propose de l'aborder, Christian Pacras, responsable service Europe Affaires Internationales à la Directe. Alors Directe, c'est ce qu'on appelait les DRCE auparavant. La direction de l'économie, c'est plus ça. Dimitri Verdet, COFAS Garantie Publique, région PACA Corse. La région. Philippe Clerc, direction de l'économie, en charge de l'international. La chambre de commerce. Bonjour à tous, Patricia Daou, je suis responsable d'accompagnement de vos exportateurs à la chambre de commerce Marseille. Et notre banquier préféré. Et Alain Perrault, donc c'est Lyonnaise de Banque, direction internationale, financement international. On a presque tout le monde, donc une différence qui doit peut-être arriver ou qui sera représentée. Nous on a demandé à Patricia de représenter l'IFRANCE dans ce cas-là. Mais elle adore ça. Alors, je vous propose d'aller très vite et de dire simplement de poser le décor. Je suis l'entreprise Martin. C'est moi. Martin et ça, messieurs, mesdames, je fais 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je suis une TPE de PACA. Je suis dans l'agroalimentaire. Jean-Louis Martin, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, mais voilà. Je fais 300 000 euros à l'export. J'ai pas beaucoup de fonds propres, hein, parce que c'est dur hein, quand même la vie. J'ai une centaine de milliers d'euros de fonds propres. Et je voudrais, s'il vous plaît... Ah bah oui, je vais te forcer quand même. Et je voudrais me développer... en Allemagne, parce que en l'occurrence, je fais des produits provençaux et l'Allemagne et la Hollande, c'est des pays vraiment qui aiment bien ce que je fais, à part que j'y suis jamais allé. Madame Patricia, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Eh bien, d'abord, je pense qu'on organiserait une rencontre avec le dirigeant pour... C'est moi. Ah bon, on se rencontre pour déterminer quels sont les besoins, la capacité à l'export, donc pour mettre en place ce qu'on appelle un pré-diagnostic export, pour voir la capacité, la faisabilité de l'opération, si le projet, enfin voir un peu où il en est le projet, et puis ensuite orienter et apporter des solutions, on va dire apporter des préconisations et orienter vers les bonnes personnes si on est sous l'angle des financements par exemple. D'accord, alors je suis une petite TPE, ça veut dire que comment ça va se passer pour moi? Ce diagnostic, tu vas me faire quand, comment? Si tu viens chez moi, ça me coûte quelque chose? Alors, nous sommes dans le cadre d'une mission de service public, donc ce diagnostic est gratuit. Il se fait en entreprise avec une analyse de toutes les fonctions de l'entreprise et voir l'intérêt de l'international, l'implication de tout le monde, le besoin en financement. Donc on analyse un peu tout ça. D'accord. Alors Patricia, le problème c'est que je suis venu te voir, tu es venu me voir plutôt, nous avons fait ce pré-diagnostic et tu m'as dit que vraiment il y avait un truc qu'il fallait que je fasse, c'était la nougat à Cologne. Parce que vraiment c'est un salon extraordinaire. Voilà, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi sur la nougat à Cologne et s'il y a un moyen de m'aider? Est-ce que dans les manifestations chez Ubifrance, il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a des pavillons qui pourraient être intéressants? Comment peut-on faire? Alors effectivement, si on a détecté la possibilité d'aller sur un salon par l'intermédiaire d'Ubifrance, eh bien oui, effectivement, il y a la possibilité d'avoir un pavillon France.
et de partir soit en collectif, soit en rendez-vous en B2B. Alors, la première aide, je m'en rends à cette question par rapport à l'État, le rôle que joue l'État. Il y a un rôle que joue l'État déjà, et notamment Ubifrance, c'est de subventionner des manifestations. Ça, ce catalogue, il est disponible sur un site internet, il suffit d'aller voir qui est sur Ubifrance, donc ça veut dire que là, il y a des tickets modérateurs qui sont donnés pour la participation des entreprises à des expositions. Donc j'ai commencé à faire un plan, un diagnostic, donc tu montres quoi sur ce diagnostic. Donc savoir si j'ai des financements, savoir si j'aille quelque part, enfin quel pays, est-ce que tu peux une matrice pays par rapport à mes produits ou... Oui, donc là, alors les cas qui ont été cités, l'Allemagne et la Hollande, on va regarder si effectivement ça correspond bien à cette possibilité, si le marché est porteur. Donc on va utiliser les services du Bifrance ou de notre nouveau réseau, qui sont la Chambre de commerce française ou les conseils du commerce extérieur ou d'autres réseaux, notamment Made in Europe. Aussi. D'accord. Donc voir si effectivement ce marché est celui qui correspond le mieux aux besoins. Ensuite il y a l'inscription qui se fait. 3 millions effectivement. 3 millions, bien il y a la possibilité de faire financer par la COFAS, au niveau d'assurance prospection COFAS. Et suivant le cas, on peut même rebondir sur une banque et demander le financement d'un autre inspection. C'est toujours le rôle un peu cliché unique finalement et de pré-diagnostic. Et de réorientation. Donc on va s'adresser, donc alors, je vais voir donc Dimitri, je suis passé dans les services de Patricia, ils m'ont dit que je pouvais exporter en Allemagne, que je devais faire la Nouga, le salon à Cologne, on a regardé, il y en a pour 30 000 euros, excuse-moi, mais ça commence à être cher. Alors j'ai remarqué qu'il fallait que j'adapte mon produit, parce que c'était pas tout à fait adapté au goût allemand, et qu'en plus il fallait que je respecte des normes avec des certifications TÜV, j'ai rien compris. J'en ai encore pour 30 000 euros pour arriver à placer tout ça à la minette. Il va falloir que je fasse des tas de déplacements divers et variés. Il faut que je traduise ma doc en allemand, j'en ai pour 15 000 euros. Bon, comment je fais là? De toute façon, monsieur Martin, Patricia m'a déjà envoyé, déjà avant même que tu aies le temps de me garantir à peu près 10% de ton chiffre d'affaires, tu pourrais avoir une garantie à peu près à hauteur de 300 000 euros par an. S'agissant de l'Allemagne, nous sommes limités en montant jusqu'à 150 000 euros. Ça suffit pour payer la Nouga, pour les mises aux normes, mais 150 000 euros maximum sur les pays de l'Union Européenne. Hein. Voilà. Donc tu peux avoir 150 000 euros par an sur 1, 2, 3 ou 4 ans. Ça veut dire que là, tu vas me donner 150 000 euros, je vais, à moi, Martin Hessa. Je vais te garantir, te soulager de 65% de ces 150 000 euros, puisque je vais te garantir au moins jusqu'à 65%. Donc alors, pendant 1 euro, c'est là que le banquier peut intervenir. Et mais tu les donnes ou tu les donnes pas? Je te les verse à la fin de chaque période de garantie. Les 65% de ces années, t'as donné comment je fais pour les accords. Could eat you again.